Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Itacraft. Et aujourd'hui, on se retrouve devant, enfin tout au moins à la place de l'usine à fer, hein, toujours au même endroit. Et comme vous l'avez vu dans le petit timelapse du début, j'ai fait sauter l'île qu'il y avait ici à cet endroit. Rico m'a aidé, il est venu m'aider, je lui remercie d'ailleurs qu'il soit venu m'aider parce que c'est vrai que c'était un peu long. C'était quand même moins long que l'autre qui était là, elle était plus petite quand même. Après, j'ai fait un peu de smoothie, hein, j'ai un peu redressé tout ça, on peut voir. J'ai déplacé un peu la barrière parce qu'il s'avère que la barrière n'était pas alignée en fin de compte. Je n'ai jamais fait attention que la barrière n'était pas alignée. Alors, je vais essayer de pas en mourir encore une fois, parce que j'ai déjà eu une mort de l'énergie cinétique. Et je me suis aperçu que la barrière n'était pas alignée à un moment donné. Cette partie-là était plus par ici que l'autre là-haut. Ça fait que quand j'ai voulu rejoindre les deux barrières, elles n'étaient pas alignées. Donc j'ai déplacé toute la barrière. D'ailleurs ici ça fait bizarre, j'ai oublié de mettre... des barrières ici, c'est pour ça que ça fait bizarre, mais bon, la barrière on la retravaillera je pense plus tard par la suite. Et j'ai pas remis d'éclairage non plus, il y a la nuit qui est en train de tomber, donc on va pas trop rester dans le coin, on va aller retourner sur le perchoir qui est là-haut, parce qu'il est très bien pour faire
une vue d'ensemble de tout ça. Voilà. Et voilà, ça c'est fait. Et j'ai pas mon lit sur moi. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je vais aller voir si je le trouve. Et voilà, j'ai retrouvé mon lit, j'en ai profité pour dormir, j'ai fait passer la nuit. Et aujourd'hui, bon, on se retrouve ici parce que je voulais vous montrer quand même un peu les avancées, hein, parce que j'ai fait un petit timelapse, enfin un timelapse qui m'a pris quand même pas mal de temps. C'est pour ça que la semaine dernière, qu'il n'y a pas eu d'épisode d'Itacraft, parce que c'est tous les timelapses qui sont très longs. C'est très long à faire, c'est très long à raser l'île, mais après le montage est très long derrière. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, mais ça se termine. On arrive au bout. J'aimerais vraiment terminer cette partie-là avant la fin de la saison, hein, parce que la fin de la saison, je le rappelle, elle se rapproche de plus en plus. Donc j'aimerais au moins terminer ce spawn ici, histoire d'avoir quelque chose de propre et de convenable, hein. Ça me paraît un peu logique d'avoir quelque chose de propre à cet endroit. Enfin bref, aujourd'hui par contre, on va pas s'occuper de cet endroit, même s'il faut qu'on le fasse. Je vais m'occuper d'un autre endroit, quelque chose qui n'a pas été fait, qu'il faut que je fasse, le Nether. Et pour ça, on va aller directement dans le Nether, on se retrouve là-haut, et on va aller voir ce qu'on va faire. On va juste aménager les chemins et tout ça qui n'ont pas été aménagés. En gros, tout ce qu'il y a à aménager. Enfin bref, vous allez voir, on va aller voir ça ensemble. Allez, sur ce, à tout de suite. Et on va commencer déjà par faire les couloirs. Parce qu'il y a certains couloirs qui n'ont jamais été faits. Il y a certaines choses qui n'ont pas été terminées, comme par exemple là ici on a le pattern du plancher qui est comme ça, qui va un peu partout. Et on peut voir que ici Payne avait fait son plancher, c'est Payne, oui ça c'est Payne, qui avait fait son plancher. Et arrivé ici, le plancher s'arrête tout simplement parce que je n'avais plus assez de dalles pour le faire entièrement comme je voulais le faire. Et c'est comme ça jusque là-haut. Ensuite, si je me trompe pas, alors ici, je vais pas y toucher parce que Rico est en train de le faire, on peut le voir, hein, il est en train d'avancer tranquillement. Quoique, oh, non, je vais le faire, je vais le laisser faire, je suppose. Par contre, il y en a un autre par là, mais je sais pas si il est fait. Est-ce qu'il est fait, celui-là? Celui-là, il est fait. Donc celui-là, il n'a pas besoin d'y toucher. Derrière, il n'y a plus rien. Il nous reste. Bon, après, c'est tous des petits détails, hein, c'est pas grand-chose. La première chose, ça va être. Ah si, il y a un endroit qui n'a pas terminé. Je suis en train de penser. Ça c'est terminé, ça c'est terminé. Quoique là, il n'y a plus besoin, on n'en a plus accès. C'est le toit, c'était l'ancien toit du Nether. Ça, on va pouvoir refermer. On n'a plus besoin d'y accéder. Si c'est pour aller chez Cédric, ici on revient par là. Ici on a Payne, mais je crois que je sais plus si c'est terminé. Je ne m'en souviens plus. Je vais aller voir ça. Bon, alors effectivement, c'est terminé jusque derrière. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est là que c'est pas terminé. Pourquoi? Parce que ici, on a une accès forteresse. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pareil, ici, on va faire un petit tunnel, un petit passage. Tranquillou dans le même style que ça. Et on va essayer de raccorder ça à la forteresse. Ça pourra être sympa, ça permettra d'aller directement à la forteresse. Même si actuellement, on n'a plus trop l'utilité. Mais bon, c'est histoire de terminer vraiment ce hub comme il faut. Parce que le hub n'est pas terminé, ça fait très longtemps qu'il doit être terminé. Je vais revenir en arrière, c'est loin, les chemins sont longs, un peu normal. Et je vais vous montrer un peu les chemins qui restent à faire. Alors, il reste le chemin de Ghost qui est là. Le chemin de Ghost, il passe au travers de mon portail. Alors, c'était le côté le plus pratique et le plus facile. Mais au final, je vais le déplacer. Parce que tout simplement, bah, ce sera beaucoup plus propre de l'avoir à côté. Comme ici, on a la ferme à or qui est là. On a une séparation entre les deux. On va laisser une séparation. Et là, on va mettre l'accès directement chez Ghost. Comme ça, on pourra aller directement par là. Il y aura un angle éventuellement. Enfin, ouais, c'est. Oh, quoique, je pourrais déplacer éventuellement le portail. Je sais pas si ça gênerait beaucoup. On fera le test de déplacer le portail. On fera le test, on verra bien ce que ça donne pour ce portail. La map a été enfin
posé, hein, j'avais fait l'emplacement pour mettre la map. C'est pas moi qui l'ai posé, c'est Rico qui l'a posé, il a pris le temps de la faire, c'est assez long. Mais il l'a faite entièrement, alors c'est magnifique parce que ça a fait propre. Bon, on n'a pas la map du spawn, je pense que on mettra la map du spawn dans un autre coin, je sais pas encore où éventuellement. On verra bien, on trouvera peut-être une place, ce sera vraiment juste la map où c'est qu'il y a l'usine à faire et tout ça. Vraiment pour habiller, hein, tout simplement. Sinon, bah, par là, il y a le passage de Rico. Rico a fait le tunnel qui mène jusqu'au portail de l'End. Mais le petit détail qui est, c'est que j'aurais peut-être dû lui dire, bon là ça c'est bon, tout ça c'est bon, bon c'est le style qu'il a voulu faire, c'est pas mal. Il a pris de la concrete, hein, c'est les nouveaux blocs, concrete et un peu de quartz. L'avantage de la concrete, c'est que ça coûte pas cher à crafter, et comme ils ont beaucoup d'os, c'est pour ça qu'il l'a pris en blanc. Il a fait une sorte de tunnel de tube qui va jusque, normalement, l'accès là-haut. On va pas aller voir ça, on va aller voir tout simplement le raccord, parce qu'en fait, c'est le raccord qui me plaît pas trop. Parce qu'on va essayer d'éviter de passer au travers de tout ce qui est portail. En plus, le raccord là, normalement, c'était la sortie qui menait directement au Nether. Maintenant, on n'a plus l'accès Nether. Là on peut voir, hein, c'était l'accès Nether et on n'a plus l'accès Nether. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement le déplacer, comme ça passe derrière ici, hein, on peut voir, ça revient là, ça passe là, et si je me trompe pas... Ah ouais, mais c'est ça, c'est serré quand même. Ouais, je pourrais repartir sur l'escalier comme ça. Non, parce qu'en plus il a décalé ça. Ah, parce qu'à cause du portail de... À cause de la déco qui est là et du portail, oui, parce que normalement il y a la déco qui est là. Il y a le portail de Jules qui est là. Donc, on va tenter de mettre l'accès directement par là, dans ces zones-là. Faut que je voie, hein, je vais creuser par là. Et on verra bien où c'est qu'on va tomber. On va commencer déjà par la première chose, c'est l'accès qui va aller sur, qui va aller chez Ghost. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une brèche. Tac, 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 j'ai dit, on va ouvrir la brèche ici. Directement et puis bah c'est parti, hein. Bon, ça va être juste un peu compliqué parce que quoique non ça va aller. Ah ouais, parce que j'avais enlevé toute la lave qu'il y avait là. Voilà, bon, ce que je vais faire, je vais relever les coordonnées de son portail à peu près approximativement, hein, pour c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. On est en 56, donc je vais aller jusqu'en 56. Voilà, donc je vais creuser jusqu'en 56, hein, directement. Et puis à 56, je vais voir tenter de poser un portail, on verra bien. Je vais récupérer son portail, je vais le poser, et je verrai si ce link a son portail. Si ce link a son portail, c'est parfait. Si ce link pas, c'est pas bien grave. On utilisera, soit on déplacera son portail lui-même, mais ça m'étonnerait que ce soit faisable, soit on le laissera là où il est actuellement. Bon, sur ce, je m'occupe de ça, et on se retrouve tout de suite après. Et on se retrouve après que j'ai creusé le petit tunnel qui va jusque à l'éventuel futur portail. Je dis bien éventuel parce que c'est pas sûr que ça va fonctionner. Il va peut-être falloir quand même que je le raccorde sur l'autre. Mais on va bien voir. Pour ça, je vais tout simplement créer un deuxième portail. Ah tiens, Ghost Block. Je vais créer un deuxième portail. Je vais le faire ici. Tac, tac, tac... On va le faire assez grand, de toute façon il y a la déco qui va venir par-dessus. Ça n'a pas trop d'importance. Ouais, allez hop, tac. Non, c'est pas là que je voulais le mettre. C'est pas tout à fait ça que je voulais faire. Tac, voilà. Bam, le portail est fait. Je vais... si je peux l'éteindre. Si je peux l'éteindre. Il suffit de casser un bloc. Je vais casser un bloc sur l'autre portail pour éviter de respawn dans l'autre portail. Et on va bien voir. Ce que je veux, c'est pouvoir respawn dans ce portail. C'est ce qui m'arrangerait le plus. Tac. Dans le portail que je viens de faire. Voilà. Normalement, ils sont assez proches. Mais ce que j'ai peur, c'est qu'ils se linkent à celui-là. Malgré tout, celui-là est peut-être plus près. Ça va dépendre de comment est placé le portail dans Lower World. Et pour ça, on va faire le test tout de suite. Ça va être le test. On va peut-être plus monter plus haut que le portail. Je sais pas, on va bien voir. Je verrai quand je ferai la déco s'il faut que je monte plus haut ou pas. Tiens, un...
Et où c'est que j'ai spawn? J'ai pas du tout spawn là où c'est qu'il fallait que je spawn. Alors je suis absolument pas où que c'est que j'aurais dû spawn. J'aurais dû spawn là-haut je crois. Ok, bon bah c'est tout. Je n'ai pas spawn où c'est que j'aurais dû spawn. Bon c'est pas grave, je vais tenter de... J'espère que je vais pas avoir cassé le lien de l'autre portail, mais bon je pense pas. C'est bizarre, le portail est assez proche. Les deux portails, le portail il est juste derrière là. C'est étonnant qu'il en ait créé un autre. Et ouais, là je suis sur son île. C'est bizarre. Minecraft est étrange. Le pire c'est qu'il n'y a pas d'armes là. J'ai spawn dans une plaine où c'est qu'il y a plein d'armes. Plein d'armes. Ah peut-être là. J'ai spawn peut-être du côté là, pas sûr. Pas sûr, pas sûr. C'est pas grave, on va juste dévier le couloir. Oh, il y a une paire de morts. On va juste dévier un peu le couloir. Et puis on va le faire en angle et puis c'est tout, hein. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Bon allez, ce que je fais, c'est que je continue le portail, je vais déplacer le portail, je vais le remettre comme il faut. Celui-là, je l'enlève, hein. Celui-là, il me sert plus à rien. Je vais faire un tunnel qui va aller jusque l'autre portail, tant pis, il y aura un angle, j'aurais voulu que ça soit en ligne droite. Ça aurait fait plus beau, ça aurait été plus sympa, mais bon, bah malheureusement, ça ne marche pas. Donc, je fais un angle, je continue le chemin pour aller jusqu'au portail. Je vais juste tourner le portail, parce que le portail il n'est pas dans le bon sens, pour avoir un angle correct hein, quand même, parce que on va pas faire non plus un zigzag. Et on se retrouve juste après que bah, j'ai fini tout le chemin, de toute façon. Je vais faire la déco, tout ça, de toute façon, ça va aller assez vite. Hein. Allez, sur ce, on se retrouve après. Et on se retrouve après avoir terminé le petit chemin, le petit canal qui mène directement chez Ghost. Alors j'ai mon briquet, on va faire le test parce que j'ai tourné le portail. Normalement ça change absolument rien. Les coordonnées du portail sont toujours les mêmes puisqu'elles sont fixées par rapport au point central du portail. Mais bon, par sécurité, petite vérification quand même de routine, hein, sait-on jamais. Et après on va passer à une autre étape. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ouais, d'ailleurs il y a encore les blocs que j'ai mis. C'est parfait, ça fonctionne. Bon, maintenant on va passer à une nouvelle étape. On va passer je pense qu'on va faire la... Ou alors je vais terminer le chemin là d'abord pour commencer. Tant que je suis dans les dalles, je vais peut-être terminer le chemin. Celui-là c'est bon. Ouais, je vais peut-être faire le chemin. Je vais faire d'abord les dalles. Je vais faire les dalles qui sont ici. Hein. Je vais passer tout ce qui est dalles. Mettre l'éclairage qui manque à certains endroits. Ouais, normalement le reste c'est bon. Il reste là les dalles. Rico, bah, j'ai eu Rico tout de suite. Il m'a dit qu'il allait faire le chemin. Il est en train de le faire. Il est en cours. Hein, donc ça va se faire sûrement. Il y a de fortes chances. Donc, on va partir. On va partir sur les dalles. Et après, on va peut-être éventuellement... On va enlever aussi tout ça, hein, tous ces chests qui sont là. Celui-là, c'est pareil. Mais on verra tout ça à la fin. Et au niveau, bah pareil, ici, on a plein de dalles à poser. Enfin bref, ça va être assez long à faire. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup à poser. Je sais même pas si j'aurai assez de bois. Parce que, bah, il y a beaucoup, beaucoup de dalles à poser. Bon, bah sur ce, je pose des dalles et on se retrouve après pour voir ce qu'on fait au niveau du Nether. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve après avoir fait tout le dallage. J'ai fait le dallage d'un bout à l'autre. Normalement, j'en ai pas oublié. Il y en a partout, 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 partout. C'est assez long, mais ça a été dans l'ensemble. Il reste plus que la partie de Rico. Mais bon, comme il va voir qu'il y a des dalles ici, je pense qu'il va faire la même chose. Sinon, on le fera, c'est pas trop un problème. Enfin, bref. Sinon, maintenant, on va s'occuper d'autre chose.
J'ai condamné aussi l'accès au niveau de du toit du Nether qu'on avait avant. Hein. Je vais essayer de retrouver le chemin. Le chemin il est par là. Par contre, ça manque d'indications. Il faudrait que je fasse des indications, quelque chose comme ça. Voilà, on avait l'accès qui était du toit du Nether qui était là. J'ai laissé en pierre, je l'ai fait exprès parce que comme ça je sais que derrière il va l'accès toujours existant. Hein. C'est pas juste un mur. Et s'il y a besoin un jour d'y accéder par là, mais bon, normalement il n'y a pas besoin d'y accéder puisqu'on a accès au Nether directement par le passage qu'on a là-haut au niveau de l'usine à or. Et donc il ne doit pas y avoir trop de soucis. Mais bon, sait-on jamais hein, s'il y a besoin. Sachant qu'il y a un four au-dessus, donc on ira peut-être même. Ah, peut-être pour l'ouvrir tout. Il faudrait peut-être que j'envoie ça. Je sais pas. J'en sais rien parce qu'il y a un four quand même à aller voir au-dessus, on n'a jamais vu. Enfin bref, sinon, il reste une dernière petite chose que je vais faire. Cette petite chose, elle est par là. Je vous en ai parlé en tout début de vidéo. C'est ce chemin-là. Ce chemin-là me plaît pas du tout, mais alors absolument pas. Parce que, bah, tout simplement, déjà, il est décalé, il est pas droit, il est pas aligné. Et surtout, je veux éviter d'avoir les portails qui sont l'un derrière l'autre. Parce que, bon, tout simplement parce que c'est pas sympa. Donc, au final, je vais peut-être pas tout déplacer parce que ça risque d'être un peu complexe. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arranger pour que le passage soit par ici, je pense. Peut-être par là. Ou par là, parce que je vois qu'il y a du bloc blanc derrière, là. Donc c'est faisable, ou par ici. Sachant que les passages sont de 3 de large, je pense que le mieux ce serait quand même de le mettre par ici. Comme ça au final peut-être que je vais redéplacer ce pilier, quoique le pilier là il est pas mal. Ouais c'est pas trop gênant, ça se voit pas trop que là il y a une... Que là il y a de l'obsidienne, donc je pense que ouais je vais mettre le passage ici, je vais refaire quelque chose qui revient jusque là-haut, et à partir de là seulement on aura la différence de pattern. On va essayer de marier les deux patterns proprement parce que bah, le mariage il est pas propre là, le mariage des deux patterns n'est vraiment pas propre, donc on va essayer de repartir sur quelque chose de propre, tout ça normalement. Ouais je pense que je vais partir par là, ça devrait être Ouais, ça devrait le faire par là. Directement, tac, tac. Et après, il va falloir faire un petit accès au Nether. Donc, on verra bien. Ah oui, et puis en plus, il est passé sur la hauteur au-dessus. Donc, il va falloir que je mette des escaliers, tout ça, tout ça. Enfin, bref. Donc, je m'occupe de tout ça. Et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. Plusieurs jours se sont passés depuis la dernière construction que j'ai fait ici et la fin de cette vidéo. Alors, au niveau du chemin que j'ai fait, il est là. Ça fait plus propre, hein, je trouve, par rapport à avant. C'est qu'il fallait passer au travers du portail. Il est sur le côté, il est là. J'ai fait le même pattern. Il n'y a que le sol. J'ai pas pensé à faire le sol, ça. J'ai pas pensé sur le coup, j'ai fait comme ça, mais faudra que je le remette aussi, mais ça je le ferai hors caméra. Ça c'est pas trop un problème, on arrive ici et la transition se fait beaucoup plus proprement je trouve. On a vraiment une transition entre les deux patterns différents, ça fait beaucoup plus propre. Ça me plaît plus, hein, ça me plaît beaucoup plus. Enfin voilà. J'ai fait aussi des petits détails, pas grand-chose, hein. Par exemple, on peut voir ici, derrière le portail, j'ai mis de l'hardened clay. Non, c'est pas de l'hardened clay, c'est du concrete blanc. Le concrete que j'ai récupéré d'ici, là, du bout de chemin qui était là. Je l'ai pris, je l'ai mis derrière le portail. J'ai fait la même chose sur tous les portails du coin, hein. J'en ai mis ici. Et j'en ai mis sur le portail, sur le portail de Ghost et sur mon portail aussi de ma cité. Je trouve que c'est sympa, ça éclaircit un peu le portail, ça donne, on peut voir, bah, ça fait un éclaircissement, ça fait quelque chose de plus clair. C'est sympa. J'avais pensé mettre éventuellement de la glazette terracotta, hein, faire un pattern avec la glazette terracotta. Faut que je fasse des tests pour voir si c'est sympa, si ça rend bien avec. Faut que j'essaye avec la noire ou la rouge éventuellement, voir si ça donne quelque chose. Quoique la rouge, non, c'est des flèches. La noire peut-être ou la bleue, faut que je voie. Faut que je fasse des essais. Ça pourrait être sympa de mettre de la terracotta derrière avec le pattern
du portail en lui-même, hein, ça peut donner quelque chose de sympa, faut que je voie. Enfin bref, sur ce, on va se quitter là pour cette petite vidéo et je vous dis rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!